Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans la